Installez-vous, les enfants. Allez, c'est bon, on y va. Installez-vous. Je suis pas content, les enfants. J'ai reçu vos bulletins. La semaine dernière, il y avait que des triple A. L'année dernière, pardon, et là, rien du tout. C'est la crise. N'importe quoi. Hein, Grèce, qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Bah, t'as faim. Bah, tu fais comme l'Afrique, hein. Tu fermes ta gueule. Allez, je vais vous donner vos notes. S'il vous plaît. On commence les notes. France. Catastrophe. 2A. C'est quoi le problème, hein? Non, mais attendez, monsieur, mais c'est pas possible parce que je suis la meilleure de la classe. La loi contre le génocide arménien, c'est moi. La Libye, c'est moi. Hein? L'Algérie, Vichy. Ah bon? Mais monsieur, il y a Iran, il fait des trucs bizarres au fond de la classe. Mais j'ai rien fait! Mais monsieur, j'ai rien fait! Vas-y, France, mais occupe-toi de tes retraites, wesh! Oh, ça va, on se calme. Palestine, Israël! Qu'est-ce qu'on a dit? Palestine, la balle aux prisonniers, c'est avec des balles, pas avec des pierres. Non, Israël, des balles, le ballon. On se calme, s'il te plaît. On reprend, s'il vous plaît. Chine. C'est bien. Triple A, bravo. D'accord, triple A, très bon choix, avec sauce aigre douce. Non. Chine, s'il vous plaît. Je parle de la note, Chine, d'accord? On se moque pas de son accent, hein, parce que dans 10 ans, on aura peut-être tous le même. USA, on rigole, USA, hein. Mais toi, avec tout ce que tu bouffes, dans 10 ans, tu seras peut-être plus là. T'as pas perdu ton triple A, mais, hein. T'as perdu ton triple A, mais tu me fais tromper dans mon texte, c'est bien. Mais t'as pas perdu ton double menton. Allez, c'est pas grave. Oui, Iran. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, USA, ils volent tout notre pétrole à la récré. C'est vrai, USA? Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, tu veux que je prenne quoi chez toi? Des cailloux? Mais qu'est-ce qu'il y a, Corée du Nord? Pourquoi tu pleures comme ça? C'est parce que mon papa est mort et on m'a demandé de faire pleurer et faire semblant pendant 4 semaines! Tu perds ton... Calme-toi, les enfants! On se moque pas d'elle. Calme-toi, Corée du Nord. On est dans une classe, il n'y a pas de caméra ici. Ah, d'accord, merci alors. Ah bah voilà, hein, les retardataires, Dom et Tom, toujours en retard. Dom, c'est quoi l'excuse cette fois-ci? Eh ben c'est parce que... C'est parce que Tom ne m'a pas réveillé. Et Tom, pourquoi tu l'as pas réveillé? Eh ben c'est parce que Dom ne m'a pas réveillé. Allez, rentrez, c'est bon. Là, je commence à en avoir marre, ça commence à bien faire, hein. Et si vous voulez récupérer vos bonnes notes, il faut bosser. C'est ça la mondialisation, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la mondialisation? Bah regarde, c'est moi. C'est moi la mondialisation. Une tête de Pakistanais sur un corps d'Américain, hein. Avec un salaire de Chinois. S'il vous plaît. Afrique, qu'est-ce que tu fais par terre? Allonge-toi là-bas. Elle tremble, qu'est-ce que... Elle fait une crise d'hypoglycémie. Les enfants, calmez-vous, c'est rien. USA, donne-lui un truc à manger, fais quelque chose. Elle a du pétrole ou pas? Bah pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a à Corée? Dis-moi, Mandy, il y a des caméras de Français ici. Monsieur, je crois que j'ai une idée pour sauver l'Afrique. Et si on faisait un album? C'est bien. Voilà. C'est bien. Oui, France. Là, tu peux récupérer ta bonne note. Ça, c'est bien. Vous voyez, les enfants, on aura appris une leçon aujourd'hui. L'important, c'est pas d'aider, c'est de bien faire semblant. C'est ça, la solidarité. C'était sa première fois. Il s'appelle Kevin Razi. Retenez son nom, parce que si j'en crois les réactions dans le public et les visages épanouis des membres du jury, il devrait rester chez nous pour un petit moment, s'il réussit aussi bien ses prochains sketchs, parce que même si on a bien senti qu'il avait le trac pour sa première fois, je crois qu'il a plutôt conquis le cœur du jury. Isabelle Mergault, je suis sûr qu'elle lui a donné une bonne note. Isabelle, 17. Merci. Jean-Benguigui, 14.
Oh, ça va, ça va. Pour un premier passage, c'est pas mal, 14 Catherine. 16. Merci. Oui, moi aussi, je vous ai mis 16. Voilà. Merci. Merci. Et franchement, sans le trac, sans les petits bafouillages, vous auriez eu certainement plus encore. Isabelle. Oui, en plus, il est très très bon comédien. L'angle qu'il a choisi est intelligent. Il est brillant. Son texte est excellent. Il est... Non. Il a l'air drôle, il a l'air drôle. Il est drôle, il est... Et moi, il m'a émue en plus. Non, franchement, c'est formidable, formidable. Merci, merci beaucoup Isabelle. Jean-Bendigui. Moi, j'ai trouvé très bien. Il a commencé à cause du trac, sûrement pas très assuré. Peu à peu, il est monté en puissance au fur et à mesure du sketch. Et il y a des très belles trouvailles. Il y a un peu des choses très désordonnées. Il faudra mettre de l'ordre dans tout ça. Mais 14, c'est très bien pour un premier passage. J'espère vous mettre beaucoup plus bientôt. Voilà. Catherine. Merci. Moi, j'adore. D'entrée, je suis rentrée dedans. Et toutes les propositions de texte, les situations pour nous présenter comme est le monde, chapeau. Ouais. Merci, merci beaucoup. En attendant que la France garde une bonne note, vous vous en récoltez 4 bonnes notes, 17, 14, 16 et 16. Ça vous fait un total, Kevin, de 63. C'est déjà gagné. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là. Là.